Et salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Minecraft. Alors aujourd'hui, nouvelle série, je vous ai présenté le trailer il y a quelques jours de cette nouvelle série. Alors je vais déjà vous donner toutes les infos pour commencer. Donc cette série ne remplace pas la ville moderne, il y aura toujours la ville moderne, mais c'est pour faire un peu une pause sur cette ville. Parce que les épisodes ne plaisent plus, vous avez beau dire que si, non, ils ne plaisent plus, les gens ne les regardent plus, il y a 600 vues, alors que d'habitude on faisait largement le double. Voilà, les gens n'interagissent plus, je sens qu'il y a besoin de neuf. Donc je me suis lancé un défi un peu risqué et je l'ai vu en commençant de construire. D'ailleurs j'espère que vous aurez apprécié le timelapse, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le timelapse. Du coup je me suis lancé le défi de reconstruire ma ville natale. Alors ma ville natale, c'est pas là où j'habite juste à côté dans une petite commune. Grâce à Google Maps, donc je me fie à Google Maps et j'essaye de refaire ça au mieux. Mais c'est pas évident du tout dans Minecraft. Donc si certains vont retrouver les bâtiments, voilà. Je sais que ça ressemble pas exactement. J'essaye vraiment de faire le mieux possible, mais je vous rassure, c'est très très dur. Je pensais pas que le défi serait aussi dur que ça. Donc voilà, essayez d'être indulgent, je fais vraiment au mieux. Je fais comme je peux, Par exemple sur cette façade, ça c'est des tôles, c'est pas du verre, mais voilà, dans Minecraft on peut pas non plus tout faire, donc je fais ça comme je peux. Ce bâtiment, c'est un bâtiment un peu prestigieux, vous voyez, bien taillé dans de la pierre, il y a plein de formes sculptées, mais voilà, dans Minecraft on peut pas vraiment faire ça. Les proportions ne sont peut-être pas non plus exactement les mêmes, mais voilà, j'essaie vraiment de faire ça au mieux. Je vous mettrai les petites screens pour essayer de comparer, et puis j'espère que cette série va vous plaire. Et franchement, si vous voulez soutenir le pari, n'hésitez pas à aller sur Utip comme d'habitude pour regarder des petites pubs. Vous pouvez en regarder 3 par jour. Et moi, ça me rémunère énormément et ça me fait très plaisir. Et encore un grand merci du fond du cœur à ceux qui pensent à y aller chaque jour. Vous avez le lien en description. Ok, donc on va pouvoir... Après le timelapse, j'espère qu'il vous aura plu parce que ça a été long. J'ai mis plus de 2 heures pour faire ça. J'ai eu un peu d'aide de ma copine au début, puis après j'ai fini cette façade tout seul. Donc on va essayer de reprendre un petit peu. Donc cet épisode va être peut-être un peu léger. Cette série, il y aura surtout du timelapse en fait, si vous voulez. Et pas trop de construction parce que c'est très 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 long à construire. Alors, on va se fier au modèle. Donc on va refaire tout simplement un étage. Alors j'hésitais à refaire un étage parce que là c'est déjà très haut. Mais le bâtiment monte encore plus haut, mais je pense que je vais virer un étage. Donc sur la screen, vous allez sûrement voir qu'il y a 3, 4, 5 étages plus des toits, enfin 5 étages au total avec les toits dans le... les fenêtres dans le toit plutôt. Mais voilà, je vais virer un étage parce que c'est vraiment trop haut et ça va être répétitif tout simplement. Donc voilà. Donc on va essayer de s'y prendre au mieux. Donc l'étage en fait, si vous voulez, quand on arrive en haut, il est un peu décalé, il est dans le haut. Donc on va faire une petite ligne ici comme ceci. Hop. Et on va essayer je vais essayer de caler des dalles. En fait, si vous voulez, il avance par rapport à la façade. Donc je vais essayer de caler des dalles tout le long. Comme ceci. Hop, voilà. On va en mettre 2 épaisseurs parce que devant il y a un balcon si vous voulez. Vous allez voir sûrement de quoi je parle. Je vous mettrai peut-être la screen en parallèle ou je sais pas où, je la mettrai qu'au début. Enfin, je vais voir. Ici, on va se mettre quelque chose d'assez sympathique. Enfin, on va essayer. On va se mettre des petits escaliers. Voilà, c'est des trucs que je rajoute, mais c'est pour essayer de travailler vraiment ma façade. Voilà, comme ça, c'est pas mal du tout. Et on va essayer de monter ça tout simplement comme on peut. C'est vraiment comme on peut parce que le pari est gros, je pensais vraiment pas que ce serait aussi compliqué de reproduire une ville entière. Mais si, c'est très compliqué, voilà. Donc ici c'est du sable, ici on a normalement une fenêtre, ici on a du sable. La fenêtre, du sable, ici on doit avoir un pilier, non c'est du sable aussi, donc sable et pilier, voilà. Donc on va monter tout ça sur plusieurs blocs, on va voir comment on peut faire. Parce que techniquement, d'après ce que je vois, on doit pouvoir accéder parce que c'est un genre de balcon. Bon, c'est pas très grave, on va faire comme on peut. Ici, du coup, on va faire notre balcon devant. Alors là, ça va être attaché. Ça, c'est embêtant. C'est très embêtant même. Je vais vous remettre le jour. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Alors ça, je vais le virer, du coup. Parce que, du coup, on est avancé, mais... Ouais, je vais devoir casser ça, on va juste garder pour les balcons.
Voilà, comme ça. Et du coup, on a un étage qui est décalé par rapport au reste, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Du coup, ici, on va continuer de mettre nos escaliers à l'envers. Et je pense qu'en bas, on va les mettre aussi, comme ça, il n'y aura pas de connexion de texture. Je sais, il n'y en a pas sur la screen, vous verrez, c'est un balcon sur lequel on peut accéder normalement à pied. Mais voilà, de toute façon, pour ceux qui se posent la question, les immeubles, tout ça, ce ne sera pas aménagé parce que déjà, j'ai pas du tout le... Comment dire le, je peux pas avec Google Maps déjà rentrer dans les bâtiments. Donc techniquement, il y aurait des déformations, ce qui serait logique. Et vous voyez la taille des bâtiments, voilà, je peux pas me permettre d'aménager ça, sinon on va clairement pas avancer et c'est pas du tout le but de la série. Voilà, le but c'est quand même d'avancer au maximum, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de timelapse. Vous attendez pas à des tutos, hein, c'est pas un tuto comment refaire ma ville. Voilà. Et aussi l'avantage que j'ai avec la ville moderne, c'est que ben, personne pourra vraiment copier mes bâtiments, puisque les bâtiments c'est moi qui les copie. Donc voilà, donc si quelqu'un me copie, ben, c'est un copieur qui copie sur un copieur. Voilà, ça fait une sacrée phrase. Mais voilà, au moins il n'y a plus de problème de plagiat. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Hop. Voilà. Alors tous ceux qui ont refait Paris, New York, et eh ben je sais pas comment ils ont fait. Faut vraiment être bon. Parce que c'est très 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 dur. Et là je mets du sable n'importe où. On va aller enlever ça tout de suite. Hop, voilà. Voilà, bon bah ça a pas mal de gueule. Alors par contre. Sous les balcons, on a des escaliers en fait, si vous voulez, pour donner un peu un arrondi. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais mettre les escaliers sous mon balcon. Vous savez que ça fasse un petit peu un arrondi, que ce soit assez, assez joli. Et ah, mon sable. Bon, tant pis, là on va mettre des dalles du coup. Et puis on va enlever ces escaliers-là qui ne servent à rien du tout. Voilà, j'ai été rapide, à peu près. Voilà. Impeccable, j'ai réussi à être rapide sans que le sable tombe entièrement, on va le remettre ici. Voilà, et on va enlever le sable en bas tout simplement. Tac, tac, voilà, c'est parfait. C'est parfait, donc, par contre je suis en train de voir une chose, du coup, si je veux être réel, il faut que mon balcon il passe tout le long. Je suis en train de voir que le balcon, en fait, sur ce que je suis en train de refaire, il passe tout le long ici. Tout le long, on a des barrières, donc bah, tout le long, je vais mettre des barrières. Et maintenant, je suis en train de voir, oui, il y a aussi des fenêtres dans le coin, comme ici. Donc, on va mettre des fenêtres dans le coin, comme ici. Tac, tac, hop. Alors là, je suis obligé de mettre des blocs de verre. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que si je mets des vitres, comme ça fait un angle, ça ne sera pas relié. Et donc, ce ne sera pas super joli. Voilà, on va mettre nos 4 vitres. Ici, on va remonter notre mur. Et on va... Alors, il n'y a pas une bande... Non, il n'y a pas de bande de... Voilà, c'est parfait. Du coup, on va faire continuer le balcon. Ici, c'est arrondi. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, on va faire continuer le balcon tout le long ici. Alors là, je vais le faire de 2, sinon avec les vitres, ça va poser problème. Donc un peu comme j'ai fait en dessous, vous voyez, histoire qu'on ait un peu de place pour passer. Voilà, c'est plus pour jouer sur le visuel, disons. Voilà, mais je sais qu'ici, de toute façon, ça se relie tout. Voilà, de loin, ça donne quelque chose comme ça. Techniquement, les barrières sont bleues, mais j'ai pas de barrière qui ressemble bleue avec des trous comme ça, donc je mets du grillage en tant que fenêtre, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc ensuite on aura le toit. Alors le toit, je sais absolument pas comment je vais le faire. Donc ce que je vais aller faire les amis, je vais commencer de faire un pattern et on se retrouve tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc voilà, bon, le toit, j'ai trouvé une petite idée. Enfin, c'est vraiment une petite. On va voir ce que ça donne. Du coup, le toit, en fait, fait quelque chose d'assez droit. Je suis même assez surpris parce que c'est très très droit. C'est un toit qui est limite droit, en fait. Vous savez, c'est un toit un peu ancien en ardoise, un peu noir. Et il est très droit, tout simplement. Voilà. Donc on va mettre deux couches de blocs comme ça devant l'escalier et on va remettre un petit escalier en haut comme ceci pour faire quelque chose un peu d'embié mais qui reste très très droit. Voilà, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Et là, on est pas mal, on est pas mal. Alors ça fait bizarre, je suis d'accord avec vous, mais c'est bel et bien la façon dont il est fait. Donc voilà. Donc, ensuite ici, bah, on va avoir des fenêtres. Oui, on va avoir des fenêtres. Donc bah, je vais les mettre. Voilà, on va les mettre comme ceci.
Et on va essayer de faire un peu une arche sympathique juste au-dessus. Donc ça, vous voyez, voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va mettre des escaliers ici. Et vous voyez, ça nous fait une fenêtre assez jolie, qui est quand même assez ressemblante. Donc voilà, on va pas se plaindre. Et là, on va mettre... On va mettre des escaliers pour vraiment montrer que la fenêtre est incrustée dans le toit, voilà. Et voilà, ça fait quelque chose quand même d'assez joli. Derrière, on mettra de toute façon, on va mettre des vitres. Et puis derrière, après, il y aura tout simplement du noir. Vous voyez, donc du coup, je pourrais pas mettre de vitres ici, tant pis. Tant pis, quoique... En fait, si vous voulez, sur la map, ben, c'est fermé tout ça. Donc ouais, je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça, ça passe mieux et c'est vrai que c'est plus réaliste. C'est plus réaliste, donc voilà ce que je vais faire sur mes bâtiments en fait. Je vais mettre de l'argile comme ça derrière. Bah, tout simplement pour faire des fenêtres noires où on voit pas l'intérieur. Parce que sinon ça va être très moche. Alors que comme ça, vous voyez de loin, bah voilà, il fait noir mais on voit pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez partout au sol, c'est comme ça. Je sais que ça pourrait être mieux aménagé mais voilà, je peux pas me permettre de prendre le temps de tout aménager. Donc les amis, on va faire nos trois fenêtres et puis on se quittera là pour ce premier épisode. Il est un peu léger mais voilà, c'est le but de toute façon, c'était de finir ce bâtiment. Et du coup, ben, vous aurez sûrement le reste du bâtiment en timelapse la prochaine fois. Et après on attaquera sûrement quelque chose de nouveau. Voilà, de toute façon, il y a à faire, ça manque pas. Hop. Donc l'épisode de Noël aussi, n'oubliez pas qu'il arrivera quand même sur la ville moderne, hein. Il n'a pas été oublié, je vais le faire. Donc voilà, hop, hop, et là on va rajouter deux dalles, on va enlever les escaliers, hop, voilà, parfait, on va creuser tout ça, alors là on va enlever ça, on va mettre nos vitres, hop. Pareil ici. Tac, tac, tac. Et là derrière, on va venir mettre notre argile. Tac. Tac et tac. Voilà. Bon, bah les amis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense, hein, je dis bien je pense. Excusez-moi pour le petit bruit de câble du micro que je me suis pris dans la main. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ce que je fais, je vous mettrai des screens. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. Hein, parce que je sens qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est pas comme ça sur la photo. » C'est très très dur. Essayez de faire votre ville dans Minecraft, vous allez voir, c'est très très dur d'être fidèle. Parce que voilà, on n'a pas les blocs exacts. Donc, il faut vraiment faire au mieux. Voilà, sur ce, on va se laisser sur cette petite screen de bâtiment. Bah, écoutez, j'espère que la série va vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. À laisser un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.